Salut les bateaux secos, salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, une petite vidéo spéciale pour ce qui se passe avec Neymar en ce moment, la turbulence, l'ouragan Neymar, qui se passe beaucoup de choses envers ce joueur. Alors évidemment, la blessure de Neymar hier, on va en parler, et aussi de la michetonneuse, de l'affaire de la michetonneuse avec Neymar. D'ailleurs, on va commencer tout de suite par ça. Je vous laisse déjà regarder cette vidéo, la vidéo qui a été captée par le téléphone de la michetonneuse. Et après, on se retrouve après pour en parler. Vous me direz ce que vous en parlez et de qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Voilà, vous allez la regarder. Là, elle va apparaître et vous allez, on en parle juste après. Voilà la vidéo, j'espère que tout le monde l'a vu. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je vois Neymar être agressé, il en parle le contraire. C'était vraiment, excusez-moi, d'habitude je suis pas grossier, mais là c'est vraiment une salope. C'est elle qui a voulu le piéger, c'est elle qui le tape. Elle a voulu justement le piéger en faisant cette vidéo pour lui soutirer de l'argent. Apparemment, les deux avocats l'ont lâché parce qu'elle a, elle a dit deux versions différentes. Donc, ses avocats l'ont déjà lâché. Donc, je pense que ça va finir en autre boudin et qu'il n'y aura sûrement pas de suite parce que sur la vidéo, on voit clairement, enfin, moi, c'est mon avis, mon opinion, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais c'est elle qui agresse Neymar et non pas le contraire. Lui, il fait juste que se défendre. Voilà, tout simplement. Et moi, je comprends ce qu'ils ont dit parce que comme ils parlent en portugais, je comprends ce qu'ils ont dit. C'est elle la folle et pas lui. Je vous dis franchement, bon, je ne vais pas vous traduire, ça serait trop long, mais voilà, c'est elle la folle et pas lui. Donc, pour moi, Neymar est innocent sur ce coup-là. Ça, c'est sûr et certain. Ça, il n'y a pas photo. Voilà. Maintenant, parlons de la blessure de Neymar. Alors, la blessure de Neymar, c'est un autre, échec pour lui. Encore une fois, une blessure sur le même pied. Apparemment, il s'est tendu la cheville. Moi, ce que j'ai entendu parler, c'est que ça serait entre... Alors, il y en a qui disent entre 4 semaines et 4 mois, d'autres qui disent entre 4 mois et 6 mois. Donc, je vais attendre la version officielle du club pour savoir combien de temps Neymar sera arrêté. En tout cas, c'est pas de chance. Je vois déjà qu'il y en a qui s'enflamment, qui disent il faut le vendre. Il nous fait, c'est le Gurkuf brésilien. À chaque fois, il va nous la mettre. Restons calmes, restons prudents, tranquilles. Voilà, laissons-le se rétablir. De toute façon, les 3 premiers matchs de Ligue des Champions, il est puni, donc c'est pas trop grave. Et 3 matchs aussi de suspension en Ligue 1, donc c'est pas trop grave. Même s'il loupe le début, c'est pas trop grave. Voilà, après qu'il revienne en forme. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est où il faut l'opérer et que ce soit nickel une bonne fois pour toutes, ou alors je sais pas ce qu'il faut faire. Déjà, il faut virer le staff médical, parce que le staff médical, il est pourri. Voilà, donc il faut vraiment, à un moment ou à l'autre, prendre ses couilles et virer les responsables parce que on ne peut pas continuer avec un Neymar comme ça. Un Neymar boiteux, un canard boiteux, c'est pas possible. Donc il faut vraiment se mettre les idées en place une bonne fois pour toutes et faire ce qu'il faut faire. S'il faut l'opérer, on l'opère et voilà, c'est clair. Mais cette fois-ci, bien l'opérer parce qu'il y en a marre, il y en a marre. Voilà, et lui, le pauvre, il souffre de ça. Le mec, il sortit en pleurs encore une fois hier du terrain, quoi. C'est pas lamentable. Et ce que je comprends pas, pourquoi le faire jouer en match amical contre le Qatar? La sélection brésilienne a un peu aussi sa part de responsabilité là-dessus. Enfin, moi, c'est mon point d'avis. Voilà. C'est les deux sujets que je vais parler demain. En même temps, je me rappelle aussi qu'il y a un troisième sujet sur l'arrivée potentiellement de Leonardo. Alors, moi, je continue à ne pas le croire. Et déjà, même s'il viendrait à Paris, ça ne serait pas comme directeur sportif. Antero Henrique a été reconduit, a été reconforté à Doha. Donc, je pense pas qu'ils vont le virer comme ça en claquant des doigts. Et déjà, on ne vire pas Antero Henrique comme ça en claquant des doigts. C'est pas possible. Donc, si Leonardo reviendrait, ça serait comme second président. C'est-à-dire juste après Nasser. Vu que Nasser a plusieurs casquettes, il peut pas être là tout le temps. Ça serait lui qui serait président quand Nasser n'est pas là. Voilà. Et Antero resterait comme directeur sportif avec Maxwell comme bras droit, comme toujours. Voilà. Moi, c'est mon opinion. Peut-être que ça sera pas ça.
Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Mais voilà. En tout cas, on va attendre la confirmation du club pour Leonardo. Juste encore une dernière petite précision. Les discussions ont commencé avec l'entourage de Navas. Et Navas, le gardien de but, j'espère que ça se fera parce que Navas, c'est le gardien qu'il nous faut à Paris. Et j'espère vraiment que ça se fera. Voilà, c'est tout pour l'instant. J'ai à peu près parlé de tout. C'était vraiment une vidéo spéciale. Et j'espère que vous avez kiffé. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos, pour de prochaines aventures. Mais n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, hasta la vista, baby. Woo.